Tu peux entendre fort devant Jésus, plus fort que ça. Il est le brigade, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Moi, le maréchal. J'ai l'honneur de vous présenter Eric Agouin. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci. Yahweh, notre Dieu, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Parce que la Bible déclare que la fin de toute chose promet que son commencement. Et nous avons démarré avec toi ce programme. Et nous sommes en train de bien finir. Et c'est cela que nous voulons encore te dire merci. Merci, toi qui libères encore ce village. Merci de guérir, merci de restaurer. Merci encore pour la conversion des cœurs. Merci encore pour la bénédiction que tu accordes à ce village. Amen. Nous voulons te rendre toute la gloire d'Odaï. Il dit que tu ne peux venir à moi sans que le Père ne l'active. C'est toi qui convainc du péché, de jugement et de justice, notre Dieu. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez appelé, c'est moi. Et pour vous établir, c'est toi qui appelle. Et la Bible déclare que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres, avec que personne ne se glorifie. Merci de nous faire cette grâce, de te connaître. Merci de te révéler en nous. Amen. Toi qui es la solution de l'humanité. Oh Jésus, toi qui as donné ta vie à la croix, pour le salut de chacun d'entre nous présents ici. Merci toi qui nous as sauvés, donné de ta vie. Pour libérer l'humanité. Oh, nous te rendons la gloire, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci de délivrer ce village. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Merci encore pour ce culte, tu te bénis. Merci pour ce programme. Oh, Adonai, nous conduis selon toi. Oh oui, conduis-nous l'Esprit de Dieu. Dirige-nous, s'il te plaît. Révèle-toi chacun d'entre nous. Sois dans ce programme. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Oh Dieu, bénis-nous, s'il te plaît. Merci pour ta présence. Merci pour l'ensemble que tu déploies. Merci, notre Dieu, de nous conduire du début jusqu'à la fin. Oh, merci, parce que c'est la bonne chose. Merci de nous bénir, de nous communiquer ta sagesse. Merci de nous bénir, notre Dieu. Et quelqu'un dise Amen. Amen. 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 Ils sont prêts à acclamer Jésus de Nazareth. Ils sont prêts à acclamer Jésus. Ils sont prêts à acclamer Jésus. On peut l'acclamer, notre Dieu, notre roi. On peut l'acclamer, notre Dieu, notre roi. On peut l'acclamer, Jésus. Il est tellement rien de présent. L'heure de la gloire pour nous. Il est présent ce matin. On peut y aller. Il est présent ce matin. On peut y aller. Pour bénir chacun d'entre nous. On peut nous pas. Et pour nous faire du bien, pour bénir ce village, nous sommes une délivrance. Délivrance du village. Le programme est organisé pour libérer ce village des hôtels sataniques, des liens démoniaques, libérer ce village de toute présence de la sorcellerie.
et de confier à Dieu pour qu'il soit désormais le père de ce village, pour qu'il conduise maintenant la destinée de ce village. Parce qu'il est écrit dans le livre de Sceaux, 60 verset 14, et avec Dieu, nous ferons les espoirs, et lui écrasera nos ennemis. Si vous pouvez connaître les espoirs dans ce village, il fait que c'est juste notre Dieu, il fait qu'il soit notre Dieu, et nous l'avons prêché. Et la Bible dit dans Jean 3, le verset 16, qu'il a donné son fils. Oh, voilà, quiconque croit en lui, il disait aujourd'hui la plus grande religion au monde, c'est le Bouddha. Non, Bouddha, moi, je ne crois pas en Dieu. Mais c'est la plus grande religion. Non, mais moi, je ne crois pas en Dieu. Il n'y a que le salut en Jésus. Là où se trouve le salut, c'est en Jésus. Jésus, Amen. Amen. Vous avez invité ici pour la délivrance de ce village. Que le village soit libéré. Parce qu'il n'y a pas d'avancée. Il faut que le village prospère. Et il n'y a pas de prospérité. Et tous les ressortissants de ce village ont le même problème. Et ils ont le même problème. Il n'y a pas d'avancée. Parce que la foule est maudite. Parce que grand est maudite. Il faut que grand soit libéré. Et la grande agoué. Je vous ai toujours dû régler le problème des micros avant qu'on arrive. Ça, il faut régler ça. C'est des choses que vous devez régler. Voilà. Pendant qu'on écoute la parole. Libéré. Et la grande agoué. Si tu peux amener avec moi. Amen. Il faut que grand soit libéré. Et la grande agoué. Une fois ici, elle est libérée. Oui, mais tant que grand n'est pas libéré, sera difficile pour toi de connaître les avancées. Je sais qu'il est écrit dans le livre de Sceaux, 11, verset 3, la fondement est renversé. Même le juste, si le fondement est renversé, si le grand est renversé, si le grand est maudit, si rien ne va à bord, et que tu sois chrétien, il y a cette malédiction qui te pousse. Sauf cela que ce n'est pas distance, que ce problème serait excellent. Amen. Si la source est ici, c'est ici. Tout part d'ici. La mémoire des ancêtres sont ici. Tout part d'ici, il est tout. Et tant que ce village n'est pas libéré, c'est pas difficile de connaître et de entrer dans cette dimension. Dès que tu sois dans le Seigneur, mais c'est difficile de entrer dans cette dimension. Tout cela qu'on dit qu'il a besoin d'être délivré. Libéré parce qu'on sent que c'est madame, vous parlez. On peut être à l'église pour être contrôlé par les esprits. Parce qu'on est réellement délivré. On est béni. Tout prospère. Il y a des avancées. Tout marche. Et quand ça ne marche plus, c'est que c'est bloqué sur le plan spirituel. Il faut que les choses soient faites pour que les choses soient faites. C'est cela qui est à nous l'église. Tu as confié la clé. La clé de toute porte. La clé de toute porte. La clé du mariage, la clé de la richesse, la clé de la prospérité, la clé de l'avancée. Il dit, je vous ai donné la clé du royaume. Tout ce que vous gagnez sera gagné. Tout ce que vous gagnez sera gagné. C'est nous qui avons le pouvoir de délier, délier. C'est nous qui avons le pouvoir de délier. La Bible dit,
Regardez, Jésus ne faisait pas que prêcher. Après son baptême, après son jeûne de 40 jours, il est rentré dans le temple. La première fois qu'il passe à l'évangile, il va prendre la parole, il va prendre les scènes d'écriture, il va prendre le livre d'Isaïe, écrit à son sujet, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a annoncé une bonne nouvelle, il est sorti libéré les captifs. Libérer aussi les captifs. C'est la question que je prêche la parole. Il faut libérer ceux qui sont captifs. Et Jésus j'ai un coup d'œil. Je vois une femme. Des 10 ans, 18 ans. Pendant 18 années. Jésus a ordonné aux démons de partir. Là où il y a la présence de Jésus, les démons n'ont plus de place. Parce qu'ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Jésus et démons ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est pas possible. Amen. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Parce que c'est les démons, c'est les démons du Seigneur. Et l'évangile dit, Jean chapitre 10, verset 10, je suis le bon, le voleur est venu pour te tuer. Jésus dit, je suis le bon berger. Je vous donne la vie. Je la donne à l'abondance. J'ai tout dedans. J'ai un paquet où il y a tout. Il y a la vie éternelle. Il y a l'approche, la richesse. Il y a le mariage. Il y a tout ce que tu veux. Ça se trouve en Jésus. Ça se trouve en Jésus. Ça se trouve en Jésus. Et là où il y a Jésus, il y a la prospérité. C'est parce que Dieu s'est éloigné. La Bible déclare que la nation. Vraiment. L'Éternel est Dieu. La nation. L'Éternel est Dieu. Tu connais que le Dieu d'Israël soit le Dieu de notre nation. Soit le Dieu de notre village. Soit le Dieu. Vivant le Christ. Grandit son destinée. Quel est le Dieu qui tu sais? Amen. Jésus m'a dit, décidez que vous allez servir aujourd'hui. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui bénit. C'est lui qui ouvre les portes. Vous avez bien fait d'inviter Jésus. Ah non, là, Jésus. Ce n'est pas le prophète Crasso. Vous voyez à moi un serviteur. Je suis simplement un serviteur. Je ne vaux rien sans lui. Moi je me prosterne quand je prie. Je m'assois même pas d'ailleurs. Je suis dans ma chambre. Je me mets en genoux. Je suis couché par moi. Ma poitrine est sans lui. Parce que je ne réagis pas au roi des rois. Je lui dis, je ne vaux rien d'être. Amenez un et tout. C'est pour cela qu'il ne faut jamais invoquer le nom de Crasso dans ta prière. Je lui dis toujours le vaurien Crasso. Amen. A besoin de toi. Jésus. Le faible Crasso a besoin de toi. Amen. Je lui dis Crasso a besoin de toi. Amen. Tu es un roi. Et tu es digne d'être adoré. Le seul est digne d'être adoré. Le seul qui est digne de louange. Qui est digne d'adoration. Vous n'avez pas vous confier au fétiche. La désolation. Le fétichisme, il n'y a rien dans le fétichisme. Il n'y a rien dans le maraboutage. Il y a rien dedans. Jésus donne la vie. Je dis on dit amen. Amen. Jésus-Christ lui donne la vie. Je dis moi, si tu as encore le fétiche, il faut les jeter. Il n'y a rien dans le fétichisme. Ils ne pourront jamais te protéger. J'avais un parent, mon père, il y avait beaucoup de fétichisme et tout ça, les maraboutages, il n'y avait pas de narcissisme, il n'y avait pas de narcissisme. Au contraire, la narcissisme, la vie, l'ont tué. Il n'y a rien dans le fétichisme. Depuis qu'il a connu Jésus, la sorcellerie s'arrêtait. Tous les monigans, amen. C'est la promesse de Dieu s'accomplira dans la vie. Tout a avancé contre toi. Tout a avancé contre toi. Tu promesses de Dieu. Dieu est fidèle. Satan est un menteur. C'est un menteur. N'écoutez plus Satan. Ne le servez pas. Détruisez-vous du fétichisme. Détruisez-vous des maraboutages.
quoi la parole. Nous sommes là pour ça. Vous amener à Dieu. Je ne suis rien. Je suis chrétien comme toi. Je suis homme comme toi. J'ai aussi besoin de Jésus. Parce que sans lui, je ne serai rien. Avant de sortir de ma chambre, je lui dis merci. Sous ta permission, je lui dis ma chambre. Amen. Il est trop fidèle. Tiens, quelqu'un, Jésus est fidèle. Tiens, quelqu'un, Jésus est fidèle. Dis-le-lui, dis à quelqu'un, Jésus est fidèle. Viens, Jésus, je dis, allez, amen. Amen. Il ne pourra pas vous décevoir. Lui n'abandonne pas. Tes fétiches vont bientôt. Voilà. Tes fétiches peuvent t'abandonner. Mais Jésus n'abandonne jamais. Amen. J'ai dit que ça à mon chauffeur, il dit. Le nom qui vient, on est pris comme chauffeur. Le jour où on fait accident. Faut insulter mon Dieu. Vous me regardez. Amen. Amen. Dieu dit ça. Je t'empêche pas de prier. Non, j'ai peur de la série. À un moment, tu ne feras pas. Tu vas voir si tu vas voir. Parce que je suis un moins. Dieu ne m'a pas bipé ma. Je suis converti. Je suis enfant de Dieu. Je suis convaincu. Fais-moi tes pas. Ça ne faut pas un mois, deux mois maintenant, bientôt, bien bon. Et il va dire, je suis sorti de route sur l'autoroute. Je lui ai dit, c'est parti. Quand ça fait sortir la route, on partait vers Amen. Et puis il a quitté la voie, on allait vers de l'autre côté, cette boîte venait d'avion. Amen. On a dit, quitte toi, et pas de l'autre côté. On a dit, KS, il venait. C'est comme la bonne voiture était prise comme ça. Elle a ramené sur l'autre voie. Quand KS est réparti, c'est quatre fois, la quatrième fois, on l'a jeté dans le ravin. Les voitures étaient stationnées, les gens, prêts à prendre des morts. Ils ont dit, elle faute lui. Là, encore, ils sont descendus. Ils sont venus. J'ai ouvert la porte. Ils ont commencé à les évangéliser. J'ai dit, mon Dieu. Non, si à moi, il n'aura pas blessé. Personne. La parole de Dieu. La parole de Dieu s'est réalisée dans la vie. Amen. 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 Elle vient de se réaliser dans ta vie. Elle vient de se réaliser dans ta vie. Moi, la Bible dit, la Jésus dit, mes parents sont esprit et vie. Pourquoi c'est ça qu'il ne faut pas prendre. La terre incident existe en Jésus. Non, mais il y a non. Je n'ai pas peur que j'avais Jésus. Pourquoi la peur? Jésus. Et là, mon chauffeur me salue et dit, je crois en Dieu. Tout ce qu'ils feront contre toi ne pourra pas t'assurer. Il ne peut pas accepter de marcher avec lui. Et lui va te laisser. Il est tellement fini. Tu décides d'abandonner le petit Jésus. Et lui, il t'abandonne quand il y a des difficultés. Non, il est fidèle.
Allez, c'est pour ça que je l'aime. Mais qui aime Jésus comme moi? Ah, voilà, je n'attends pas d'amen. Qui aime Jésus comme moi? Amen. 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 Quand on aime, personne ne le trompe pas. Et quand on aime, dit Dieu. Ouais. On ne va pas à côté gauche, droite. Gauche, amen. Droite, gauche, amen. Droite. Amen. 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 Vous savez que l'infidélité fait mal. Et Dieu, il est une personne qui t'a fait trompe. Et il veut que Dieu le plus plaît dans le cœur. Et il t'a un peu. Amen. Amen. Même Jésus. Ah oui, Jésus. Ne le trompe pas. Amen. Amen. Vous l'aimez Jésus? Ah, moi je dis. Ah, dis Jésus. Il dit, je l'ai, celui qui m'a là. Vous allez honorer Dieu. Allez, on va aller. Allez, on va aller. C'est tout. Mais bon. Veuillez vous asseoir. À côté. Que Dieu bénisse. Accompagnez-nous. Nous sommes en train de clôturer un programme. Mais vous avez attendu Pierre et Tamé. Allez, nous allons bien le faire. Allez, nous. Nous nous laissons conduire. À Pierre Igona. Ou à l'esprit. Vous, comment on parle? D'accord, nous ne sommes conduits par l'esprit. Ah, Dieu, vous comprenez mon nom. Amen. C'est le Saint-Esprit qui conduit ce programme. Un programme de délivrance. Ce qui nous intéresse. Et bien, ce qui nous a plus intéressé ici. Et bien, là, vous avez vu quoi? Vous avez vu qui s'en direct. Aïe, aïe, Dieu. En un jour. Il est good. Aïe, Dieu. Journée. Aïe, Dieu. J'étais là, le Saint-Esprit dit, va dans la terre. Et vous voyez, vous devez mettre un dragon. Dragon suivait gros. Vous m'avez dit. Amen. 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 Les vidéos sont là. Hein. Et vous voyez, Armel va vous battre. Amen. 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 Il y a d'autres personnes qui montent, elles ne peuvent plus dormir, ils sont trop là. Ah ouais, c'est quand même ça. Voyez, mais il y a un dragon qui la chose. Ah, il y a un dragon. Moi, je ne sais pas ce qu'il fait, mes frères. Il y a un dragon, il y a un dragon. Non. Il y a un dragon. Rien, mes frères. Amen. 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 Parce qu'il y a Jésus. Et quand Jésus vous. Alléluia. Amen. Nous avons vécu la délivrance en direct. Aïe, Dieu. Ce qu'ils sont en train de faire. C'est de, des actions. Depuis quelques jours. Le village est dit. Vous en retenez. Amen. 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 Tout amène les petits combats. Amen. 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 Je vous demande de me manger. Prenez-vous ensemble. Ah, vous complet. Ah, vous ne pouvez même pas, vous savez. Ah, bien, vous voulez. Non, vous pouvez même pas essayer. Ah, mais là. C'est pas dans la chambre ici. Vraiment, c'est régal. Moi, je te laisse parler. Tu ne peux pas me faire tomber. La parole, moi, quand il dit, tu attends. Tu allais manger les herbes. C'est pour dire, même après nous, n'ont pas fermé les bouches. N'ont pas fermé les bouches. La sorcellerie, on n'a plus besoin de ça. Vous avez le village se développe. Et à toi, mais nous avons besoin des cartes. C'est vrai, frère. Arrêtez vos histoires de frères, les cartes, si vous êtes gagné. Vous ne pouvez rien. Ah, oui. Voici quelqu'un qui vient parler. Il y a un peu, oui, oui, oui. Allez, c'est bon, à tout. Sortez. Aïe. Je pense que je suis. Donc, moi, sorti, j'ai vu là. Ici, là, vous êtes des comédies. Aïe, mais vous, hein. Qui va se dorter. Allez, pas les musiciens, là. Je suis venu te tuer.
C'est les mangeurs d'orteils. Allez, pas vite. Ça lui fait mal là. Il y a un bois, il y a donc arrêtez la sorcellerie. Gros là, c'était dans la termitière. Gros dans la coude. Et cette termitière, c'est une forteresse, c'était vers la terre. Vers la terre, tout votre système, c'est là-bas, tout se contrôle. Ah oui, on vous parle. Là-bas, en France, on te voit. Et là-bas, on te voit. Et là, on te voit. 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 Et tout ça, c'est là-bas, on se contrôle. Mais puis, on est là-bas, on est là-bas. Les choses. Ah, mais vous pouvez aller où? Nous allons détruire. Attendez-vous. Amen. Quand vous partez en guerre, ce qui va vous intéresser, c'est de vous dire. Vous minimisez vos pouvoirs. En fait, ce qui en vous est trop fort. Je connais comment ça se met. Amen. Amen. Nous avons neutralisé le dragon. Même le dragon, c'est à nous. Donc vous avez vu qu'ils sont directs. Aïe, aïe, aïe. Donc j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'on va voir là-bas trouver? Ah, aïe, 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 aïe. Si c'était un serpent naturel. Il y a tellement, il est là. Il y a longtemps, il est sorti. Elle a mis le président là-haut. Allons-y, j'ai tourné. Moi j'ai vu la vidéo après. Vous allez manger. Moi je suis ça après. Ah, et il n'est pas d'accord. Oui, c'est sous l'onction. Quand il voit ça après, il bénit Dieu. Donc pendant que je versais l'huile, le serpent, l'esprit est sorti. Donc ça l'a neutralisé. Il est pas dernier, et oui. Donc il y a deux gens crésus. Il y a quoi, oui. C'est ça qu'on n'a pas cassé toute la thermite. Il a dû faire toute l'ouverture. Ah non, ah ouais, ah non. Si on va les prendre. Allez, le Amen. 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 Si on casse, ça va partir. On les prend. Je vais chercher quelqu'un dedans. Comment vous libérez Gros, puis chercher. Alors, Gros, vite. Bah, le voici. Gros, il a caché. On passerait, on passerait. Et celui qui a filmé l'élément était vraiment bien inscrit. Non, c'est pas dans la vidéo. Il me connaît, elle passe. Il dit vous mâcherez sur les serpents et les scorpions. C'est le symbole du diable. N'a pas dit que c'est le noir. Non, c'est symbolique. C'est le symbole du diable. Il pas, c'est vraiment. On l'appelle le dragon, le serpent aussi. Voilà, donc quoi tu l'as. Donc c'était la présence. Elle là. Il vit avec un démon. Ah, c'est vrai, pas chacun a son don. Comprends une part. Chacun a son don. Comprends une part. Il ne faut pas être jaloux. Non, non. Si quelqu'un Dieu l'utilise, il faut acclamer Dieu. Ce que je peux faire, toi tu ne peux pas faire. Amen, amen, amen. On se complète dans le ministère. Il y a quoi à me diaboliser? Amen. 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 C'est le seul catéchisme qu'il a vu. Pourtant, je pense qu'il y a une église qui est en train de construire devant ici. Oh, il y a un bar. Il est venu cette vie. Il y a un coin. Pourquoi on n'est pas composé à nous? Il y a un niveau pour ça. Combien? Mais pourquoi on n'est pas composé à nous? Non, puis nous prenons tout chez ça. Avec un bar. Je venais cette vie. Il y a un coin. Il y a des chaises. Mais il y a un coin. Vous cherchez quoi? Il y a un bar. Amen. Amen. C'est nous-mêmes qui faisons souvent que le diable règne. Chacun a son don. Comprenez pas. Si toi tu ne peux pas attaquer le démon, tu ne peux pas l'amener là-bas. Le monsieur est venu là, désarmer le démon. Viens écouter l'évangile. Il dit que ne jugez pas selon la chair, mais ne jugez pas. La place est bien. Moi je ne condamne pas. Je regarde. J'ai pas peur parce que je suis. J'ai fait la théologie. Quand quelqu'un n'est pas dans les normes théologiques, je sais. Quand on n'est pas enseigné, qu'on a peur. Et dès qu'il y a le nez. Il peut m'assurer si un ministre est paré. Et le nez, à mon nom, je vais me dire à mon doigt, puis lui dit voici les erreurs. Et il y a le nom. Oui. Oui, il est venu vous dire que la chose est venue dans le village là. C'est que tu as prêché là, c'est pas biblique. Amen, ça va, la compose ça. Eh, mais tu sais. Il est là, mais. Je me dis que c'est la vie, j'ai prêché. Et il est là aussi. Il y a pas une action qui va me dire que j'étais sorti de la vie. C'est l'ancien ou non? C'est où le nom? D'abord, il était formé. Et qui a le bon? Avant de prêcher les bons. Il est là aussi. Je ne suis pas venu comme ça. Et c'est le oui. Allez-moi ça. Allez maintenant.
J'ai d'abord prêché l'évangile, j'ai d'abord été formé avant de prêcher l'évangile. Et quel bon, amen. On dit amen. Amen. Oui, parce que pour nous, après, c'est après nous qui est plus important. Et après, c'est là, après, là, c'est important. Et après, nous avons prêché Jésus. Peut-être que vous marchiez. Et là, on allait. Selon la parole de Dieu. Parce que si vous ne marchez pas selon la parole de Dieu, vous allez marcher. Amen. 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 Je remercie cette population qui nous a invités. Oui, on a voulu voir. En particulier ce monsieur. Non, à Capone, bien comment on voilà, d'abord, merci beaucoup. Non, et puis ce frère, lui on s'est connu depuis sur le net, il est en Italie. En Italie. Voilà, il avait vraiment cette volonté que je visite son village. C'était sa prière d'ailleurs. Il m'a mis en contact avec d'autres personnes depuis l'Europe. Nous avons préparé ça dans le secret. Ça date pas de maintenant, hein. Voilà, on a mis ça en prière. Il a dit à Dieu, si c'est ta volonté, permets-nous en toi, bro. Si c'est ta volonté, et quand on oui, Dieu a décidé là. C'est ça qui nous pouvait rien contre ça. Non, on va quand tu vas venir, quand tu vas venir, il ne vient pas pourquoi. Il est quoi, il vient là. Sorcier, coucou. Mais voilà, bro. Mais tu as envie de manger. Ouais, d'accord, il dit. Tu es un carré, mais là. Amen. 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 On dit le village n'avance pas. On sait qu'il y a quelqu'un venu prier. Voilà comment vous priez. Et puis ça divise les gens. Oui, ça va quoi? Je suis tourné. Et ça divise. Tout divise. Et ça la même. Non, si. Comment gagner? Ok. Donc, sorcier n'a qu'à manger. Donc, oui. Vous prévez que sorcier mange. Ah, non, oui. Vos funérailles, c'est pas pour moi, j'ai un millier. Ah, non, non, non. Et ça, il y a un peu. Vous endettez pour ça? Ah, ça, il dit rien, non, bon. C'est pas moi, j'ai un millier. Mais elle a mis la main à ok, c'est pas vrai. Et non, vous voulez faire du réel. Non, voilà, vous voulez. Il faut oublier vos enfants. Et vous pouvez. Il est bon, il est bon, car vous voulez. Ah, non, quand la réunion est mangée. Oh, des mouns, à côté. Demandez à Zaroko. Alors, Zaroko. On a mis les gens en face. À son courant, il est bon. Et il mange plus. Ils sont pas chibés. Ils vont pas manger. Ouais, il est tout le monde est chibouillé, empoisonné là. Ouais, est bien. Viens. Attends, monsieur, je dois bien. Viens te libérer devant tout le monde. Ce monsieur là. Bien bon. Acclamez le Seigneur pour lui. Il a fini une sorcellerie. Okay. Si vous voyez le monsieur là, alors, il a vu la puissance de Dieu. Oui, oui, oui. Oui. Non, la vérité. On l'a envoyé dans l'eau qu'elle était sur le point de mourir. Il allait manger son fils. Il avait Jésus couvert pour la sapoine de la terre. Donne le micro, donne le micro. Il me poursuit ici. Vous savez, quand un sorcier découvre la puissance de Dieu, il s'est converti. C'était la fin de ton programme. Il est venu pour finir pour lui. Et heureusement, pour lui, il m'a donné un témoignage. Quand il a libéré ses enfants, ils ont pris un des enfants, non? À la mine d'or. Il couche avec ses filles en sorcellerie. Comment il est? Il est délivré? Amen! C'est pas pour l'humilier, mais je suis content pour lui parce que lui, c'est quelqu'un qui est sincère. Il est sincère. J'ai dit, il peut envoyer l'homme dans un passé. Il faut envoyer ton passé. Aujourd'hui, c'est lui qui est là, mais il y a une sorcellerie là-même, il y a des gens qui font ça. Vous avez pas été chercher par des gens dans cette sorcellerie. Vous voyez ça, vous voyez pas la sorcellerie. Non, j'explique. J'explique, hein. J'ai expliqué comment chercher par des gens dans cette sorcellerie.
Moi, je suis un expert en hospitalisation. Amen. Je vous explique. Le monsieur, elle a sa femme. Il y a comme son lit. Il y a beaucoup de. Vous avez dit qu'il y a plus d'hommes que les hommes. Oui, je voilà, très bien. Et puis, la femme qui est occupée là. Oui. Elle est juge là-dessus. Là, il y a qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas parler son mari. Et n'a pas l'air du bon. Tu vas même parler entre les deux. Et d'autres vont tourner. Et puis prendre. Et bien. Tu vas dans celui. Vous connaissez non. Dans celui 4. Et t'es où? Vous avez compris? Donc il y a des gens qui font ça. Comment toi, femme qui est mariée? Moi, je vais dire la vérité. Mais tu ne sais pas que je moi, je vais dire au bon. Sorcier. Vous connaissez non. Tu l'as su au marchand, tu l'as vu. Et puis vous les femmes aussi, vous êtes possédées. Comment toi t'es marié, tu finis de coucher, tu te dis ici, si, le monsieur t'embrasse, tu vas chez ton mari, sorcière. Mais c'est énervant. Ton mari est là. Toi tu chères là-bas, tu lui dis, chérie, sorcière. Non mais ça fait mal. Et Karine, hein? Il y a trois gars. Quatre gars. Et comment ça joue, ils sont en bon appui. Et ils m'ont dit, elle m'a dit. La sorcellerie. Il y a un qui paie pour mal, un qui paie maison. Mon enfant, tu crois pas en elle, hein? Et là, tiens, j'ai sinon, dans tes narines, j'ai. Ah, ok. Alléluia. Amen. Plus c'est sorcellerie la fête, vous voyez que ça. Vous voulez encore ça encore plus grave, chercher femme de quelqu'un? Non, c'est pas. Après quoi, non? C'est ton témoignage. Ce monsieur. Comment il m'a contacté? Demandez. Mais bon, je suis là. Je suis ignorant encore. Ça doit être juste que je t'ai connu. Comment tu es arrivé à Zaroko? Je suis ignorant. Zaroko là? Et vous, qu'est-ce que ça dit? Il t'a déjà salé. Il est là. Il est là. Et je suis allé avec mon fils. Non, moi, la carte d'autre. Je voulais le tuer. Bon, quand vous dites ça, vous avez pas. Quoi, il y a un homme blanc qui est venu. Et il m'a tapé sur la santé. Faut bien expliquer. Ça l'énerve. Je veux le tuer mon fils. Ah, sorcellerie, mais vrai. Gouriao, mais ça vous comment il a fait? Regarde, on va là. Et nous, là. Je me suis transformé en deux jours. Je veux le tuer. Ne sais pas, dame. Il y a quelque chose qui m'a tapé. Comment il voulait faire pour l'attraper? Il m'a montré, il a fait. Là, mais il n'y a pas la dé, il nous a l'oubé. Donc, on est venu. Ses fils sont pas mariés, c'est lui qui faisait ça.
Bon, on y va, on y voulait pas, mon garçon. Moi, je me parle là, dans le cas, vous l'avez. Lui, il y a quelqu'un j'ai mes enfants sont là. Mais il mangeait hier. Mais, il y a un là, il y a un peu là. Moi, là, il y a un peu là, il y a c'est pour que les gens ne tuent pas mes enfants qui me suivent là. Mais je suis quand même là pour vous faire, non. Mais je suis quand même pour vous faire, non. Amen. Amen. Voilà. Donc maintenant, comment est-ce que ça? Il y a ça, il faut quoi là? Il y a un problème de cœur. Tous les points de Jésus, tu m'as dit. Jésus, on y est, on y est. Parce qu'on a consacré trois villes. Et à part toi, vie, nous. C'est consacré trois villes. Trois villes, nous, on se voit. Quand il a fini ces trois villes, il y en a un. Comme je n'ai pas fini, achevez le travail. Finissez le reste. Moi, je suis convaincu qu'il est fini. Amen. Ils ont vu parler. J'ai dit, mais depuis que tu t'es dit, vous avez quelqu'un mourir. C'est ça. Mais moi, je n'agis pas comme vous voulez. Amen. Et si je vous dis c'est fini, croyez en ça. Amen. C'est fini. Il y a. On va faire du travail. Ah, le je suis là. Même on connaît. Celui qui va te toucher. On est au concret. A toucher Jésus. On craint Jésus. Amen. Lui, parmi les amusements. Même à Tiataye. On continue. Le monsieur petit est quitté de Bois-Ville. Allez, on est sous l'âme. On a consacré le Bois-Ville. On a plein de
La dernière fois, il me disait que ça va maintenant. Il est en train de dire il est converti. C'est là que je vais l'encadrer. Ça, c'est son passé. Je vous informe qu'il a fait plusieurs que de son passé. Il a fait 3 ans. Il a eu grâce présidentielle. Il avait pu sortir de prison. Vous avez vu même la prison, elle m'a délivré. C'est normal quand tu tues, on te met en prison. C'est, c'est un crime, c'est normal. Mais la prison ne peut pas délivrer les gens. On te corrige parce que tu perds ta tuer. Mais il y a un esprit en toi. Mais c'est pas pour amen. Amen. Allez vous asseoir. Merci beaucoup. On acclame le Seigneur. Aujourd'hui, il est totalement délivré. Il allait manger. Comme le lit. Il y a un coup de poing. Tu allais droit. À sa poitrine. Ok, oui. C'est comme ça désormais. Ce que je vais faire ici. Celui qui va partir te toucher même. On a mis un paquet, il a donné un paquet dans le monde. Tu peux me mettre quand on a un coup de poing de Jésus. Amen. Moi, je disais ça aux gens, les premiers que ça a mangé, quoi, on va guérir. Quand on parlait de ça, les gens pensaient que ça a mis de l'eau. On va le même pas voir guérir. Je pense que ça a mis. L'homme a dit, l'homme à toi la vie. Bon, on est nous nous battons pour ça. L'homme à toi la vie. Je parle de l'homme qui est les individus de Dieu. Et encore, je vais vous dire quoi. Amen. Dis à quelqu'un l'homme à toi la vie. L'homme à toi la vie. Vous dites amen, quand à ma prière, vous dites amen. Vous aimez dire amen partout. Vous dites d'abord. Ah, pourquoi il est encore amen. Lâchez son âme. J'annule le décret de mort. Ils ne veulent pas te lâcher, mais ils te lâcheront maintenant. Lâchez-la. Lâchez-la. Elle dit qu'ils t'ont déjà mangé, mais le cœur est là. Quand le cœur est là, on te programme. Le jour même, ton cœur est là. Lâchez-la. Lâchez-la. Je libère ton âme maintenant. Et quand c'est comme ça, quand tu rêves, aux morts, les gens qui sont morts, tu rêves, tu as déjà mangé. Je raconte à Mergabar. Donc, pour m'aider à ça, cherchez un nom de Dieu pour vous. Ne voulez pas avoir contact avec les morts. Nous ne devons pas adorer même les morts. On dit les privés, une personne ne mourir pas après avoir eu le jugement. Celui qui est en contact avec la mort, c'est de la divination, c'est de la sorcellerie, de la magie. Nous n'avons même pas invoqué l'esprit de mort. Et alors vous, ils sont morts, c'est fini. Ils attendent le jugement. Lâche-la. Tu vas partir. Tu vas partir, c'est un homme. Tu vas partir.
Et quand c'est comme ça, on te met un esprit en toi. C'est-à-dire, et tu vis avec cet esprit. Lâche-la. Lâche-la. Le feu invoqué sur toi. Tu vas partir maintenant. C'est un ordre. Va-t'en. Libère son âme. Le ministère des prophètes, c'est quoi? C'est quand quelqu'un est là qui doit mourir, je crois qu'il croit sur son visage. Si Dieu veut guérir, il y a des gens qui sont malades. Dieu n'a pas forcément besoin de moi pour les guérir. Si Dieu veut m'utiliser, je ressens la maladie. Je dis, il y a telle personne qui est malade. Quand la présence est présente, quand je pose, que la douleur disparaît, la personne est guérie. Pourquoi je vous explique un peu ce phénomène? Donc quand une personne est un esprit de mort, on s'en croit. Et puis tu as la personne que tu vois l'ombre de la personne, tu la vois. L'ombre de la personne. La personne est transparente comme ça. Ça dit qu'elle est déjà partie. C'est pour ça qu'il faut prier pour que Dieu ouvre les yeux. Ça fatigue. Ça fatigue trop. Parce qu'il y a des jours où je vois des êtres bizarres. Il y a des esprits assurés. Il prend la forme qu'il veut. Ou bien il y a un homme qui dit tel, 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 en même temps, il fait son visage là. Tu ne fais pas fort, tu deviens fou. Je viens t'attaquer. Je suis l'homme le plus attaqué chaque jour. Mais je les dégage. Je suis habitué à tailler les chasses. Souvent, je suis couché, je viens grossir. Et puis, je passe en moi. Ils sont partis. Mais oui. Jésus est trop fort, frère. J'ai dit comment tu es. Lâche-la. 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 C'est un ordre. Va. Quitte son corps et maintenant. Va. Pousse ton cri et va. Des défaites. Son âme est déliée. Son âme est déliée. Dans le nom de Jésus. Ils ont caché son cœur dans un palmier. Quand les sorciers font ça, il serait difficile d'épingler ça. Lâche-la. Lâche-la. Tu m'entends? Oui. Lâche-la. Voilà, lâche-la. 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 Feu. Au nom de Jésus, lâche-la. Allez. Amen. Allez. Amen. Feu. Toi, démon. Mon Dieu. Esprit de mort. Pougo. Lâche-la. 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 Voilà, va. Amen. Va-t'en. 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 Tu es là-bas. Va. Va! Mais. Quitte! Ouais! Quitte! Mais, ouais! Il est monté jusqu'à sa poitrine. Pourquoi je vais le dire? Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Pars maintenant, même. Pars maintenant. Mais, vous avez. Au nom de Jésus. Mais, lâche-la. Mais, lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu consume tes œuvres. Et maintenant. Le feu consume tes œuvres. Maintenant. Maintenant. Lâche-la. Ramenez son cœur. Et ramenez son âme. Au nom de Jésus. Son âme revient maintenant en elle. Son cœur revient. C'est ça. La puissance de Dieu. J'annule le décret des morts. J'annule le décret des morts.
J'annule le décret de mort sur ta vie. Maintenant, par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. J'annule la mort. J'annule la mort. J'annule la mort. Au nom de Jésus. Je délie ton âme. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Maintenant. Au nom de Jésus, reçois la vie. La vie, maintenant. Maintenant. La vie entre en toi. La vie entre en toi. Ton âme revient. Au nom de Jésus, ton âme s'installe. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ton âme est revenue à la table. Encore une fois. On peut acclamer Jésus. Vous avez quelle maladie? C'est sorti du Gaïa. Oh, il dit pas tellement. Je ne guéris pas les moutons. Faut pas avoir honte de ça. J'ai la tour. La gomme, il y a rien. Tout à l'heure, t'as compris? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On va que je prêche la parole de Dieu. Toutes les cérémonies. Comment les cérémonies? Tout à l'heure, toutes les cérémonies. Nous allons, je vais vous expliquer l'huile, le lot. Je vais vous expliquer tout ça. Vous allez aller à SPG. Vous allez voir tout ça. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Toutes les cérémonies sont un culte. Amen. Vous dites que désormais, si vous devez faire tous les dimanches, aller à l'église. Même si en semaine il y a les cultes du soir, fréquentez les cultes du soir. Parce que vous grandissez dans la parole, que tu sois enseigné. Parce que Jésus dit, allez annoncer l'évangile et enseigner. Il faut qu'on vous enseigne comment marcher. Amen. Le petit sorcier là, il a petit, là, il va parler. Bien. Envoyez-moi le petit. Je suis en train de prier. Il vous bien petit, il touche, veut toucher le maréchal. Okay. Amen. J'ai dit, mais tu veux toucher le maréchal de la brigade? Anti-sorcier, tu es courageux. T'es un petit sorcier. Petit. Comment tu t'appelles? Trésor. Tu es Trésor. Trésor qui mange bien. C'est toi qui as cherché. Depuis là, on ne parle pas de ça. C'est toi qui as cherché. Tu as fait quoi? Pourquoi tu te retrouves ce matin ici? Tu as fait quoi? Puis je t'ai interpellé. Pourquoi que tu nous expliques? Est-ce que la compagnie est dit? Il parle français. D'accord, allons-y. On peut parler, mais pas comprendre. Allons. Il est pour vous tenter. Hein? Pour vous tenter. Un carin, tu voulais m'attaquer. Tu es venu, c'est de m'attaquer. Ah, combien tu as peur? Tu es garçon, tu nous es venu attaquer. Oui. Voici le vieux là. Lui, la vie, il a le combat, c'est quoi ici? Oui, oui. Il est venu à parler pour lui propre. Toi, tu viens m'attaquer. Pour expliquer. Les vieux pèlent en peur, c'est toi qui es courageux. Pardon, alors vraiment, c'est bon, c'est bon. Les vieux pèlent ça. Pardon, j'y n'en pas. Non, les enfants, ils voient sorcier comme amusement. Lui, le voyez, vous parlez. C'est lui qui envoie les enfants. Bon, allô, oui. Lui, on l'envoie. Non, allô, allô. Quand il a attaqué, il a dit qu'on l'envoie. C'est lui, on est. Allô. On va attaquer. On l'envoie. S'il est tombé, si on t'a attrapé, c'est toi. C'est pas pour faire mon coin. Mais si tu as gagné, c'est nous tous. C'est ça, attrapé, mon cher, vous parlez de toi. Mais si tu as gagné, nous, on est contents. Maintenant, c'est toi-même qui suis empoisonné. Allons-y. C'est que tu as fait attaquer. Faut expliquer pour toi.
Tu n'es pas sorcier. Ni pour hein? Quand tu dis attaquer là, ça fait quoi? Tu voulais voir si je suis puissant. Oui, c'est vous qui l'avez envoyé. Ah, loin, non, non, non. Calmez-vous là.